éléments immolés, nous recevons ta puissance et divinité, sagesse, force et honneur. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous préparons à célébrer le mystère de cette Eucharistie en tant que des saints que nous avons prêché. Je vous prie, sa Dieu tout puissant. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le prophète et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait : Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? Il demanda : Qui es-tu, Seigneur ? La voix répondit : Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Ses compagnons de route étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Il le prit par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or,
avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit, « Ananie. » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit, « Lève-toi. Va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit, Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faut souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. Aussitôt, tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors, il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Se querellaient entre eux.
Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas, son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé et ils sont morts. Celui qui mange son pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capernaum. Qui est ce Seigneur qui m'appelle persécuteur
Alors que ma seule ambition est de servir Dieu. Paul pourrait se demander ici. Jusqu'à cet instant, Paul se sentait bien. Comme le pharisien de la parabole, qui était convaincu d'être juste et qui méprisait tous les autres. Vous pouvez lire cela dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 18, verset 9. Il remerciait Dieu d'avoir fait de lui incroyable, digne et actif dans sa communauté. Maintenant, dans la lumière du Christ, il découvre que ses mérites et ses services sont sans valeur pour Dieu. Sa foi n'est que fanatisme. Son assurance de croyant dissimule le mal son orgueil. Paul se voit pécheur alors. Il se voit violent. Il se voit rebelle. Mais en même temps, il comprend que Dieu l'accueille, le choisit et lui pardonne. Jésus lui-même dit, cet homme sera mon instrument de choix. Paul n'est plus le pharisien de la parabole. Il vient de se mettre à la place du publicain. Mon Dieu, prends pitié de moi qui suis un pécheur. C'est la reconversion chrétienne. C'est la reconversion chrétienne. Désormais, Saoul, qui prendra le nom de Paul, sera un instrument de choix pour le Christ. Il étendra l'Église aux autres pays. Voilà comment Dieu prépare l'avenir et dirige le mouvement de l'Église. Le persécuteur d'aujourd'hui, dans le plan de Dieu, peut devenir demain le grand apôtre de la bonne nouvelle. Le persécuteur d'aujourd'hui, il faut prier. Il faut approcher les pécheurs. Ils peuvent se convertir et servir Dieu. Ils peuvent se convertir et servir Dieu. Alors, jusqu'alors, l'Église était restée en milieu juif, composée de juifs seulement, dirigée par les juifs. Paul aussi était juif. Il était juif. Il était juif, mais lui, il avait été formé à l'étranger. Il connaissait la culture étrangère. Il possédait la culture grecque ainsi que celle de sa propre race. C'est à cause de cela et de sa personnalité exceptionnelle qu'il allait être l'apôtre des Grecs. L'Église doit constamment se renouveler, porter l'Évangile à de nouveaux peuples. Grâce à Paul et de nouveaux milieux. Toi et moi, alors, nous sommes responsables de la propagation de la foi. Nous sommes responsables. Il faut nous sentir responsables. Il faut nous sentir interpellés à évangéliser. Évangéliser comment? Par notre comportement. Par notre comportement. Là où nous vivons, dans notre milieu de vie, dans notre quartier, au travail, il faut évangéliser. Mais il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer. Il faut évangéliser. Petit à petit, évangéliser par le témoignage de vie. Un jour, j'étais dans un taxi et puis j'ai rencontré une fille dans un taxi. Ceux qui étaient dans le taxi là ne se rendaient pas compte que j'étais prêtre. J'écoutais seulement. La fille disait, moi, même si on me dit, je ne peux pas aller dans telle communauté. Je n'osais pas dire le nom de ma communauté. Et puis une autre fille à côté d'elle a demandé pourquoi. Elle a répondu, ma maman. Maman qui m'a mise au monde, elle est membre de cette communauté. Tu sais ce que nous faisons à la maison? Tu sais ce que nous faisons à la maison?
évangélisé par le témoignage de vos vies. Voilà ce qui est important. Jusqu'à ce que l'autre là qui est à côté de toi te demandera, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Parce que chaque vendredi, ou bien chaque dimanche, ou bien chaque samedi, je vais à l'oratoire de Marie, mère de la charité chrétienne. C'est son comportement même que Marie nous demande. Et la personne en question aura la volonté de venir. Elle aura la volonté de venir. Toi et moi, nous sommes les responsables de la propagation de la foi. Nous sommes les responsables de la diffusion de la bonne nouvelle. On est saisi par le Christ vivant, le Christ ressuscité, le Christ présent à ses disciples. C'est lui-même qui dit, ce que vous verrez au pipetti d'entre les miens, avait-il dit, c'est à moi que vous l'aurez fait. Paul rencontre Jésus dans ses hommes et ses femmes qu'il persécute. Il rencontre Jésus. Il rencontre Jésus. Jésus lui-même dit, pourquoi me persécutes-tu? Cela veut dire que nous rendons le Christ visible. Notre vie doit rendre le Christ visible. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela et à traduire cela dans notre manière de penser et notre manière d'agir. Paul devient le lieutenant du Christ. Que le Seigneur nous fasse des instruments de son salut et des instruments de sa joie. Qu'il change nos cœurs pour être dociles à la volonté de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
bonté, sanctifie ces dons. Nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et pour notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut. De te louer, Seigneur, en tout temps et plus encore, de te glorifier en ces jours où l'on touche notre pâte a été immolée. Le monde ancien est détruit, la création des chiens est renouvelée, et dans le Christ, nous est rendu la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale est rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. La puissance d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans ton l'hymne de ta gloire en disant Saint. Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Toi qui es la source de toutes tes saintetés, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, prépare que deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rendit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps libre. Après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. De la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue à la gloire. En faisant un signe noir de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes et de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant par au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint et ses corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, animée avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des âmes des fidèles et des pains. Que nous te présentons au cours de cette Eucharistie. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Si elle nous touche enfin, nous implorons ta bonté, Seigneur. Nous implorons ta bonté sur tes enfants qui te rendent grâce pour les bienfaits ici dans leur vie. Sur tes enfants qui te demandent la délivrance. Sur tes enfants qui te demandent la guérison. Sur tes enfants qui te présentent les projets. Et si tes enfants qui nous ont demandé la prière, mais qu'avec la Vierge Marie, mère de la charité chrétienne, la bienheureuse mère de Dieu, Saint Joseph, son époux,
Saint Padre Pio, Saint Peter et Abbé, Saint Michel Archange, son compagnon de combat, les archanges Gabriel et Raphaël, Saint Simon de Cyrène, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle. Et que nous chantons ta louange et ta gloire, par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père et tout-puissant, à l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de ton mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps, soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. Rappelé de toute preuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance. L'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas vos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Du Christ, il est soit.